Bonsoir tonton. Oui, bonsoir. Alors ma question c'est simple. Est-ce que tu peux aider un de tes ex en difficulté financière, mais ton ex là elle est mariée. Tu peux l'aider? Non, jamais. Jamais. Même si tu l'aimais avant. Yo jo mi le do donc ni mon ben yo. Ah, ajo mi lo ya. Coucou mes Ashley, ici c'est Ashley, vous êtes sur l'émission Micro sans frontières. Alors on se retrouve à Calavi à Gori. C'est vrai, je connais pas ce nom là, mais bon. Calavi à Gori. Et je suis à mon guide, Mr. Horus. Alors, la question du jour est une question très simple. La question est de savoir, est-ce que vous pouvez aider votre ex en difficulté financière? Que ce soit marié ou je ne sais pas quoi, en tout cas, comment pouvez-vous aider votre ex? N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. J'ai besoin que vous me proposiez des questions pour les prochaines émissions. Abonnez-vous aussi. Alors, mais Ashley, allons-y à chasse, allons-y. Bonsoir tonton. Oui, bonsoir. Alors ma question c'est simple, est-ce que tu peux aider un de tes ex en difficulté financière, mais un ex marié, c'est-à-dire elle est mariée déjà, est-ce que tu peux l'aider si elle te dit qu'elle a besoin d'argent? Ok, si j'ai, je peux l'aider. Si tu as, je dis, ok, je donne un exemple, tu vois, tu es sorti avec une fille, elle s'est mariée, et maintenant un jour où tu vas bien, s'il te plaît, je suis sérieusement en galère, est-ce que tu peux me dépanner, tu vas l'aider? C'est rien, si j'ai, je peux l'aider, c'est rien. Tu es, elle est mariée. C'est rien, non? Ah. N'est pas bizarre, comment il peut dire que c'est rien? Ah, si j'ai l'argent, je peux l'aider, mais si j'ai pas, je peux pas l'aider. Et pourtant, il n'y a plus rien, toi, elle? Non, rien. Tu ne goûtes plus rien? Rien, c'est l'œuvre de Dieu. Tu ne fais plus rien? Ça, je fais l'œuvre de Dieu, c'est rien. Okay, c'est pas pitié, tu veux l'aider? Est-ce que tu peux aider ton ex en difficulté financière? C'est-à-dire ton ex, hein, il s'est marié, est-ce que tu peux l'aider en difficulté financière? Non. Et pourquoi? Non, parce qu'il m'a trahi. C'est vrai. Bon, c'est vrai, c'est lui qui t'a fait goumer là alors. Oui. Donc quand il t'a fait goumer, il vient maintenant te demander d'être, tu ne peux pas accepter. Non. Même si tu l'aimes. Non. Elle a dit non catégorie. Même si tu n'as pas l'aider. Non. Et si tu dis qu'il est dans une situation où il n'a pas un franc et que c'est son enfant est malade et tous ces trucs-là, tu vas l'aider si tu peux. Non. Même si tu as l'argent. Oui. Si tu as l'argent, tu vas l'aider. Non. Elle est stricte, hein. Est-ce que tu peux aider ton ex en difficulté financière? Financier plutôt, mais je préfère te dire que ton ex elle est mariée déjà. Ah oui, je peux l'aider, je peux l'aider. Tu peux l'aider? Oui, je peux l'aider. Tu peux l'aider? Oui, je peux l'aider. Si elle est à briser le coton, tu peux l'aider. Elle s'est déjà mariée. Moi, je peux l'aider. Faut laisser ton histoire. Je te vois là même. Je vais tout laisser à Dieu et l'aider. On parle de sérieux. Tu vas l'aider. Donc ça te dit qu'elle a besoin de 15 000 maintenant, elle n'a pas l'argent. Si j'ai mal, je ne regarde pas derrière avant de la donner ça. C'est ton ex, hein. Ouais. Elle t'a fait goumer propre, hein. Je dis, je vais l'aider. Est-ce que tu peux aider ton ex en difficulté financière? Bon, pour toi, je ne vais pas dire marier, mais elle t'a laissé pour un autre homme, est-ce que tu peux l'aider? Si elle m'a aidé pour un autre homme, c'est que la personne est mieux que moi, non? Okay, si elle t'a laissé pour un autre homme? C'est que l'homme là est mieux que moi. Donc elle peut plus demander mon aide. Mais si entre la vie et la mort, il n'y a plus de solution. Je m'en fous, hein. Tu t'en fous? Je m'en fous, hein. Moi je suis pas truc là. Je suis pas truc là. Et les ONG et qui apporte de l'aide à tout le monde là. Donc comme elle t'a laissé là, elle n'est pas chercher celui pour qui elle t'a laissé. Oui. Mais si la personne est là, mais malgré ça, il n'y a pas l'argent et tout. Elle doit assumer. C'est pas ton problème. C'est pas moi mon problème. Elle ne peut plus te contacter. Non. Est-ce que vous pouvez aider votre ex en difficulté financière? Bon, soi-disant, peut-être qu'il vous a laissé après ça, il allait se marier, mener vos contacts pour vous demander d'aide. Est-ce que vous pouvez l'aider? Qui veut parler d'abord? Okay. Oui, moi je peux l'aider. Tu peux l'aider? Oui, je peux l'aider. Il t'a fait goumer? Ah oui. Tu l'aimais tellement, il t'a laissé. C'est-à-dire, tu es en relation, chouchou, après, il t'a laissé pour aller marier une autre. Soit en te disant que peut-être vous êtes en relation sérieuse, tu pensais que c'était lui avec lui, tu as fini. Après, il te laisse seulement. Et il va se marier maintenant. Toi, tu vas l'aider s'il t'appelle pour demander d'aide. Moi, je vais l'aider. En plus, ça dépendra de ma situation financière. Si je cherche, je vais l'aider. Si elle est là, elle va l'aider. Vous entendez ça? Waouh! Tu es gentil, hein. Est-ce que tu peux aider ton ex en difficulté financière? Bon, ton ex qui s'est déjà marié en difficulté financière, si elle te demande, est-ce que tu peux l'aider? Si. Tu peux l'aider? Ouais. C'est elle qui t'a fait goumer, hein? Oui, si j'ai les moyens là, je peux l'aider. Mais tu veux l'aider pourquoi? Parce que l'amitié, c'est l'amitié. Et puis, si je l'aime, je vais l'aider. Elle t'a fait goumer. Elle t'a laissé. Et quand elle t'a laissé, elle est se marier. Maintenant, toi, tu dis que tu vas l'aider. Oui, ça, c'est rien. Tu ne
ne t'es pas demandé, tu ne te dis pas qu'elle a un mari, qu'elle peut demander d'aide. Pourquoi c'est toi qui viens demander d'aide? Ouais, ça c'est rien. C'est rien. Je vais l'aider. Si j'ai l'argent et puis elle est en difficulté, là, je vais l'aider. Tata, à toi. Bon, pour moi, je peux l'aider, mais ça dépend des circonstances. Ok, comme dans lesquelles on s'est séparés. C'est ce que je dis, le gars t'a fait goumer. Oui. Bon, il m'a fait goumer. Bon, ça dépend de la situation. Par exemple, sa femme, sa nouvelle femme veut accoucher, elle est entre la vie et la mort et tout. Je peux l'aider facilement, je peux le pardonner, je peux l'aider parce que, bon, c'est sa femme. Rien vrai que... C'est pour elle, il t'a laissé. Oui, c'est pour elle, il m'a laissé. Mais la femme est peut-être entre la vie et la mort, je peux l'aider facilement, il n'y a pas de problème. Les gars, si vous voulez les femmes, là, il y a les femmes ici à Sato, ici. Les gars, là, elles sont trop gentilles. Genre, elles vont l'aider. En tout cas, je ne sais même plus. Quand même, merci beaucoup, les filles. Alors, mais à chaud, on est à la fin de cette émission. On était à Gori. Et mon guide aujourd'hui, c'est monsieur Horus. Et Horus, s'il te plaît, ma question du jour, c'est une question très simple. C'est une question, c'est pour savoir, en fait. Est-ce que tu peux aider ton ex en difficulté financière? Ton ex qui est déjà marié, est-ce que tu peux l'aider? Mon ex déjà marié, vous avez dit. Ça veut dire? Mais elle mariée, vous avez dit non? Mais quelle est cette douleur de elle serait en train de vouloir encore à mon niveau? Je ne sais pas. Mais ok, je suppose que c'est elle qui vous a fait alors le goumé là. Mais c'est pour ça qu'elle a été mon S, non? C'est parce qu'elle m'a fait le goumé que moi je la considère comme S, non? Et donc vous ne pouvez pas l'aider? Même si elle est dans une situation de vie et de mort, vous ne pouvez pas l'aider? Mais attends. Si elle s'est mariée, là, le nouveau mari assume le pire, le meilleur. Mais pourquoi? C'est tout comme si moi j'ai quitté déjà ce réseau-là. Moi j'ai d'autres plans B à pourrir. Je ne peux plus financer encore d'autres choses que je ne peux pas trouver d'intérêt maintenant. La vie maintenant c'est question d'intérêt, hein, ma soeur. Même si tu l'aimais? L'aimer, ça c'est l'imparfait, tu as utilisé. Nous sommes dans le présent maintenant. Oh, ok, si tu l'aimes alors? Bon, je ne peux plus l'aimer. Bon, si je l'aime, bon, c'est pointant. Elle m'a goût maintenant, bon. L'amour ne peut pas rester là éternel. Je suis désolé, je ne peux pas l'aider. Ok, merci, merci, merci. Bon, on est à la fin de cette émission. Mais n'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker et tout. Proposez-nous des questions pour la prochaine émission. Et laissez-moi ça aussi, je vous cherche. Hein. Je vous cherche parce que sincèrement, là, je ne vois pas les vues avancer. Je ne vois pas les likes avancer. Vous ne nous contactez pas, je ne comprends même plus. Mais je vous adore trop alors. À la prochaine.